Team Gourmande, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette très simple et cette fois-ci sans Thermomix. Il s'agit de la recette du yaourt maison. Pour ça, il nous faudra 1 litre de lait entier. Vous pouvez très bien la réaliser avec du lait écrémé, mais c'est toujours mieux avec du lait entier. Un yaourt nature ferme de préférence, la marque de votre choix. De la vanille liquide, alors c'est optionnel, c'est parce qu'on aime bien ça, mais ça apporte du goût. Et du sucre vanillé maison, fait également au Thermomix dans une autre vidéo. Donc dans un premier temps, nous allons prendre le yaourt nature. On met tout ça dans un saladier, c'est très simple. On va y ajouter le sucre vanillé. À peu près l'équivalent de 2 à 3 grosses cuillères à soupe. C'est simplement pour apporter une touche vanillée au yaourt. Et donc une grosse cuillère à soupe de vanille liquide. On bat très rapidement cette préparation, donc le yaourt avec le sucre et la vanille. Histoire que tout se mélange correctement. Et on y ajoute tout doucement le lait entier. Tous les ingrédients sont à température ambiante. C'est préférable pour réaliser cette recette. Une fois ce mélange fini, nous allons dans la yaourtière, tout simplement à l'aide d'un petit bec verseur, mettre la préparation dans chaque yaourt. Jusqu'à épuisement de la préparation. Alors, cette yaourtière, c'est la Multidélice de la marque Seb. Elle est superbe. Pour quelle raison? Vous avez le mode express, vous avez également le mode classique, le mode faisselle. Vous pouvez préparer également des desserts lactés et des gâteaux également. Mais ça, je me sers de mon Thermomix pour ça. Mais c'est possible avec cette yaourtière. Donc voilà, nous nous mettons sur le programme 2 et c'est parti pour 8 heures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, la commenter le plus possible. Activez la cloche. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt, ma team gourmande.